Cet engagement dans cette campagne municipale est simplement déjà le fait de la continuité de l'action et du sérieux que nous avons mené depuis 6 ans avec Jean-Pierre Moineau. Notre engagement et cette continuité, nous voulons l'engager pour qu'Épinal devienne une ville meilleure. Bah écoutez, après des engagements au niveau professionnel, au niveau syndical et après dans les associations, il m'a paru logique de sauter le pas et de passer dans l'engagement politique, de mettre au service des Spinaliens mes connaissances, mes compétences professionnelles et personnelles. J'avais voulu m'engager car il y a une certaine liberté avec Jean-Pierre qu'on n'a pas avec la liste concurrente principale. Et donc j'ai voulu ensuite m'engager par rapport à ma jeunesse et je me dis que ma jeunesse est un vrai atout comparé aux autres listes. Le point important, c'est que je pense que je suis capable d'apporter quelque chose qui de neuf. Et encore une fois, je pense qu'il faut faire bouger les choses. Je me suis engagé parce que j'ai toujours été de gauche et je pense que la ville d'Épinal manque d'attractivité. Et en tant qu'ingénieur, connaissant le secteur du tourisme, je voulais mettre à profit mes compétences pour le développement de la ville d'Épinal. Parce que je suis depuis toujours passionné par la vie publique et par l'intérêt général. Et je pense que des jeunes en politique, c'est l'avenir, c'est un nouveau souffle. Et on en a fort besoin en ce moment. Je me suis engagée auprès de Jean-Pierre Moineau, car cela fait quand même 14 ans que je me suis engagée auprès des jeunes lors de mes missions professionnelles. Et suite à mes missions syndicales, aujourd'hui, je veux évoluer et participer par rapport à toutes les activités de la ville d'Épinal et m'engager politiquement. Alors, je suis moi-même impliqué dans le fonctionnement de ces différents pôles et j'estime que Jean-Pierre Moineau est le seul aujourd'hui à même de pouvoir redynamiser ces pôles par l'intermédiaire de sa liste et de son projet qui est innovant. Je me suis engagée dans la liste de Jean-Pierre Moineau pour défendre les étudiants, essayer de redynamiser la ville. Pour que déjà chaque concitoyen, chaque spinalien se sente représenté, premièrement, et se sente surtout porté dans leurs projets, écouté et soutenu dans toutes leurs actions, et voilà, faire avancer la ville, faire progresser chaque projet pour que tous les spinaliens se sentent bien dans leur commune. Je considère que Jean-Pierre Moineau est un homme d'envergure régionale. Il a fait beaucoup pour la culture au niveau de la ville d'Épinal. Je m'engage dans ce combat politique parce que toutes les valeurs qui sont portées par Jean-Pierre Moineau, c'est vraiment les miennes, quoi. Je me retrouve dans la solidarité, dans le développement durable, l'éco-citoyenneté, le respect.